Chers amis de Facebook, bonjour. Chacun fait sa vidéo. Chacun fait son buzz. Moi, voilà pour moi. Pensez ce que vous voulez, vous êtes libre. Moi, j'ai toujours été, je dis ce que je pense et je pense ce que je dis. Voilà. Je viens là pour parler de l'affaire Yasmina Aka. Yasmina Aka, c'est vrai. Il y a une vidéo qui a tourné, qui a fait le buzz. Chacun lui a donné son point de vue. Effectivement, ce n'est pas une vidéo qui honore la femme. J'en conviens. J'en conviens. Cet homme est indigné. Oui, c'est une mère de famille. Comment elle a pu se comporter comme ça, etc. Et sa fille, etc. Je le conçois. Je comprends. Mais moi, quand j'ai vu ça, il y a une chose qui m'a traversé l'esprit. Une personne qui a tous ses sens, une personne qui a tous ses sens, ne peut pas agir de la sorte. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui a bien pu se passer dans l'esprit de cette personne? Vous savez, vous me voyez faire des vidéos pour faire rire les gens. C'est pas parce que j'ai envie de faire le clown. Non, loin de là. Le rire est thérapeutique. Le rire est thérapeutique. C'est ma façon à moi de servir le Seigneur. Parce que quand je fais une vidéo drôle, cette vidéo-là, quelqu'un qui est derrière son écran, qui se trouve être triste, quand elle va tomber sur cette vidéo, ça va lui apporter de la gaieté. Le but de mon profil déjà, c'est d'apporter un message d'évangile. Apporter de l'amour où il n'y a pas, la paix où il n'y en a pas. Une âme. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est une âme qui est attristée, qui est abattue. J'ai eu mal pour elle. J'ai eu très mal. Croyez-moi, mes amis, j'ai eu très très mal. Parce qu'une personne qui a tous ses sens ne peut pas se comporter de la sorte. J'ai eu très mal. J'ai dit, Seigneur, cette personne est sûrement en souffrance. Son âme est attristée, Seigneur. Fais quelque chose pour elle. Ce n'est pas possible. Fais quelque chose. Tu ne peux pas permettre à l'ennemi de la gâcher à ce point. De la gaspiller à ce point. Le premier réflexe que j'ai eu, moi, personnellement, moi, Francesca Akakpovi. Francesca Akakpovi, en tant qu'enfant de Dieu, mon père m'a dit, si tu ne peux pas aider quelqu'un, ne l'enfonce pas. Le réflexe que j'ai eu, je suis entrée dans ma chambre et j'ai prié pour elle. J'ai demandé au Seigneur de la restaurer, de la consoler et de la restaurer. Parce que visiblement, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Je demande au Seigneur de rétablir l'ordre dans son âme, dans son esprit. Parce qu'une personne qui a tous ses sens ne peut pas agir de la sorte. Beaucoup l'ont blâmé. Beaucoup l'ont blâmé. Beaucoup ont été indignés. C'est vrai, je ne suis pas fière de ce que j'ai vu. Mais je serais moins fière de moi de faire partie de ceux qui la pointent du doigt. Alors j'invite tous ceux qui se disent, quand on écrit Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, Dieu est ceci, il y a des amen. C'est maintenant qu'on doit exercer la miséricorde. Avoir le réflexe de dire, Seigneur, regarde ce qu'elle fait cette femme. Seigneur, relève-la. Seigneur, saisis-la. Seigneur, délivre-la. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. C'est ça l'amour. J'ai lu quelque part, la meilleure façon d'aimer une personne, c'est de prier pour cette personne. Alors moi, tout ce que j'ai vu, je l'ai vu, oui, avec mes yeux, mais avec mon cœur, avec le cœur, l'amour que Dieu a mis dans mon cœur. Je ne peux qu'aimer cette personne.
Et j'aime Yasmina Aka. Je l'aime de tout mon cœur. Je l'aime de tout mon cœur, de l'amour que Christ a mis dans mon cœur. Et c'est pourquoi je proclame au nom de Jésus qu'elle renaît de ses cendres, qu'elle retrouve tous ses sens et qu'elle se relève la tête haute. Et que tout ça, c'est du passé. Voilà ce que moi, Francesca, je pense de cette affaire. Alors, si tu peux voir cette vidéo, Yasmina, moi, Francesca, je te dis, les choses anciennes sont passées. Tout est devenu nouveau. Reprends un nouveau départ. Les choses anciennes sont passées. Tout est devenu nouveau. Relève-toi. Avance la tête haute. Relève-toi. Relève-toi et avance la tête haute. Moi, je t'aime et Jésus t'aime. Les erreurs du passé, c'est les erreurs du passé. Tout est devenu nouveau. C'est comme moi, tu penses que aimer son prochain, c'est prier pour lui. Alors tu choisis la bonne part. Prie pour ton prochain quand tu vois qu'il est en souffrance. Ne le pointe pas du doigt. Parce que tu sais, on ne sait jamais dans la vie. Que Dieu vous bénisse. C'était mon point de vue. Yasmina Aka, moi je t'aime de l'amour de Christ. Et je crois que le Seigneur va te faire sortir de cette histoire, va te faire sortir de là. Il va te relever, il va te restaurer. Il fait de toi une nouvelle personne. Au nom de Jésus, sois béni. Merci pour votre attention.